New Babylon n'est pas principalement un projet urbain. Il n'est pas non plus une œuvre d'art dans le sens traditionnel du terme, ni même un exemple de structure architecturale. On peut comprendre New Babylon dans son état actuel comme une proposition, comme la tentative de matérialisation d'une théorie urbaine unitaire, comme un jeu créatif autour d'un environnement imaginaire, opposé au milieu insuffisant, insatisfaisant de notre vie actuelle. La ville moderne est morte. Elle est devenue victime de l'utilitarisme. New Babylon est le projet d'une ville qu'on peut vivre. Et vivre, c'est être créatif. New Babylon est l'objet d'une créativité de masse. Il compte sur l'activation de l'énorme potentiel créatif de masse encore inexploité aujourd'hui. Il mise sur la disparition du travail non créatif imposé par l'automatisation, ainsi que sur un changement moral de mode de pensée. De fait, il mise sur des phénomènes tangibles, tels que l'augmentation rapide de la population mondiale, l'accroissement du trafic routier, l'urbanisation de la planète toute entière, l'urbanisation totale. Le projet prend alors en compte les questions purement fonctionnelles de l'urbanisme actuel, les trafics et les logements, et cherche à y répondre par des solutions externes. L'espace social devient le thème central d'une réflexion renouvelée et le médium par lequel une créativité collective doit se manifester au quotidien à travers l'évolution continue de notre milieu, induit par un mode de vie dynamique.